Que se passe-t-il, Benoît? On ne reconnaît plus la forêt? Les oiseaux ne chantent plus? Il y a quelque chose de très grave? Oh, viens vite! Oh, regarde les vêtements! Oh, mon Dieu, mais que s'est-il passé? Regarde, ils sont tous attachés! Oh là là, courons vite les libérer! Vite, Benoît! Vite, mon Dieu! Il n'y a pas de mal, il n'y a pas trop de mal! Non, ce sont les rats qui nous ont attaqués! Faites attention, ils sont terribles! Ils ont endormi Monsieur le Chêne! Oh, Monsieur le Chêne! Ils sont amis avec la sorcière et il paraît qu'elle va venir ici! Vite, vite! Va chercher Monsieur le Loup! Cours vite, Benoît! Vite, il n'y a pas de mal, pas trop de mal! Marco, Madame la Poule! Et vous, les enfants, ça va? Ça va bien! Venez, venez, mes enfants, chérie! Ça va bien? Je pars prévenir le docteur Siro et je reviendrai avec tous mes amis! Attention, gendarme! Les rats reviennent! Oh là là! Oh là là! J'ai senti une petite pique et hop, je me suis endormi. Mais les enfants, j'ai cru entendre beaucoup de bruit. Y avait-il une fête? Oh, mais pas du tout, Monsieur Chêne. Figurez-vous que les rats sont arrivés. Ils vous ont endormi. Ils ont ficelé tous mes amis. Mais heureusement, heureusement, nous les avons vaincus. Ouais! Ça perlipopette, bravo! Alors, on est envahi par les rats! Monsieur Chêne, il a été endormi. Et vous, vous arrivez trop tard, Monsieur Loup. Venez. Figurez-vous que j'ai très peur d'une chose. Il paraîtrait que rôde dans les parages une sorcière avec une petite pie. Vous vous rendez compte? Absolument empoisonner Chantal et Loulou. Mon petit, jette toutes tes mauvaises pensées dans le chaudron afin de préparer une potion terrible contre eux. Je prends mon palais. Viens. Vous ne me connaissez pas, vous vous dites quoi quoi quoi. Qu'est-ce que c'est que cette fille-là? Bon,
aidez-moi. On m'appelle le pyjama et la belle que voilà. C'est la sorcière piranha et on ne se quitte pas. On m'appelle le piranha, tu parleras tout à l'heure. Viens donc ici, pyjama, bougre d'oiseau de malheur. Pyjama, pyjama, pyja, pyja, pyjama. Piranha, piranha, pira, pira, piranha. Piranha, pyjama, pyja, pyja, pyjama. Fuyons de tout notre cœur ces oiseaux de malheur. Vous ne me connaissez pas, vous vous dites quoi, quoi, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette fée-là? Bon alors, écoutez-moi, je voudrais faire quelque chose de gentil, je ne sais pas. Pour cette petite Marie-Rose, dites-lui que je suis là. On l'appelle le piranha, elle est pleine de bonté. Vite, vite, pyjama, il faut me la présenter. Pyjama, pyjama, pyja, pyja, pyjama. Piranha, piranha, tout de suite, piranha. Piranha, pyjama, pyja, pyja, pyjama. Ayant de tout notre cœur ces oiseaux de malheur. Regardez-moi cette petite pie. Une petite pie haute comme trois pommes. Et voulez-vous venir? Mais en plus, elle est insolente. Regardez, monsieur Chêne. Regardez, qui fait la loi dans cette forêt? Une petite mais pie. Pas du tout. Piranha et moi, nous vous aimons tellement que nous voulions vous préparer un merveilleux repas. Et en plus, elle nous ment. Quelle insolente. Quelle insolente, cette petite pie. Eh bien, nous allons la garder dans notre monde. Et nous allons lui apprendre à être gentille et à ne pas mentir. D'ailleurs, faites-la entrer dans la maison. Je vais lui parler. Oh oui, monsieur Chêne, venez, mademoiselle. Bah, ouais, en plus, elle nous résiste. Venez, mademoiselle insolente. Et en plus, je vais vous dire une chose. Voulez-vous rentrer chez monsieur Chêne? Et je vais vous dire quelque chose, hein. Vous avez rendez-vous avec moi à Radio Ménade pour l'exclusivité, mademoiselle Pie. Allez, rentrez à la maison. Quant à nous, mes enfants. Ouf, viens, mon petit Benoît. Quant à nous, nous allons pouvoir rêver, mais rêver de notre merveilleux soulier qui vole dans telle échelle. Aux ailes d'une cigogne,
écoutez, écoutez, bonnes gens. À Radio Ménate, voici celle qui a du bec dans l'air. Voici Mademoiselle Pyjama. Comment du bec dans l'air? Un bec comme vous, tout simplement. Mais enfin, mais voyez, mais voulez-vous être sage? Mais enfin, mais vous avez... Et en plus, une pie insolente. Ma grande amie, la sorcière, vous transformera en vieux bec de gaz. Ah, mes chers amis, à Radio Ménate, une véritable prise de bec commence. Cette petite pie m'insulte. Mais voulez-vous, mais qu'est-ce que vous faites là au perché? Mais c'est fini. Est-ce que je t'en pose, moi, des questions? Oh, mais quelle insolente. Mais c'est terrible. Mais je suis désolée. Pour le coup, son cas nous intéresse. Il suffirait, mes chers auditeurs. Attendez. Oui, oh, c'est pour moi. Oui, oui, oui. Ah oui, oui, c'est ça. Oh, mon Dieu, mais c'est épouvantable. Ah oui, oui, mais comment peut-on faire? Elle est allée en prison. Ah, mais oui, je reconnais son costume. C'est bien elle. Mais que peut-on faire? Ah bon, mais vous allez la soigner? Oh, merci, docteur. Ça y est, on va la soigner. Ça va aller beaucoup mieux. Oui, oui, je vous l'amène tout de suite. Ah oui, tout de suite. Allez, vite, Pyjama. Partez avec Chantal. Le bon docteur Siro arrive. Il va vous soigner. Et vous redeviendrez gentille, gentille. Quel bonheur un docteur qui arrive à l'heure. Quel bonheur un docteur qui ne fait pas peur. Docteur, docteur, les animaux. Docteur, docteur, ont tous bobos. Il y en a un qui a très très mal aux dents. Un autre qui tousse et qui pleure en tremblant. Docteur, docteur, faites ce qu'il faut. Docteur Siro, vraiment on vous remercie d'être venu tout au fond de la forêt pour soigner tous ces animaux qui souffraient. Docteur Siro, sans vous les pauvres enfants, oh à la fièvre, mal à la tête et aux dents. C'est grâce à vous, docteur, à votre Siro, docteur, qu'ils sont tous guéris. Docteur Siro. Vous allez repartir sur votre vélo, soigner d'autres enfants, d'autres animaux. Docteur, docteur, soyez prudent. Docteur, docteur, car aux agents, ils vont vous demander ce que vous faisiez, votre nom, adresse, ce que vous transportez. Docteur, docteur, votre sirop. Cachez-le sous votre chapeau. Docteur Siro, vous êtes vraiment très gentil. Docteur Siro, vraiment on vous remercie d'être venu tout au fond de la forêt pour soigner tous ces animaux qui souffraient. Docteur Siro, sans vous les pauvres enfants auraient la fièvre, mal à la tête et aux dents. C'est grâce à vous, docteur, à votre Siro. Voilà, voilà. On est le 9 mars. Une année de plus. Je me sens vieux aujourd'hui. Et puis, de toute manière, à quoi ça sert de penser à tout ça puisque personne ne se rappellera que c'est aujourd'hui mon anniversaire. Personne. Et si toute la forêt me faisait un cadeau? Qu'est-ce que ça pourrait bien être, Oh là 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 là, ce cadeau! Mais ce n'est pas possible! Oh, mais il danse! Je n'ai jamais vu ça, moi! Oh, mais voilà qui revient maintenant! J'ai des hallucinations! Pourvu que ce ne soit pas une boîte de conserve! Où je me retrouverai en pâté de lapin, moi.
Attendez, attendez! J'ai rien dit de méchant! Oh! Ça y est. Il a disparu. Je viens de voir un gros cadeau qui courait vers moi. Mon pauvre jeune lapin, tu es fatigué. Viens, tu vas faire une sieste. Mais oui, Jeannot Lapin, venez donc faire une petite sieste. Il a les nerfs en mille morceaux, c'est pas vrai, ça. Ça ne va pas du tout. Chantal, il ne faut pas que l'on m'entende. Jeannot Lapin se repose et il ne sait pas qu'on va lui préparer un bel anniversaire, mais... Eh bien, Monsieur Chêne, pendant que Jeannot Lapin dort, je vais tout organiser. Je vais lui organiser la plus jolie fête. Mademoiselle Miaou, allez à chercher le piano. Toi aussi, mon petit Benoît, va chercher les guirlandes. Vous aussi, les petits lapins, arrangez la table. Voilà, les cadeaux par ici. On va être content, notre Jeannot Lapin. C'est bien, allez, avancez encore. Les guirlandes aussi, la table par ici. Par ici. Voilà. Chut, il dort, fais pas la couille. Très bien, Mme Miaou. Les enfants, disposez la table de façon à ce que j'assiste aussi à cette grande fête. Comme ça. Très bien, les enfants, voilà. Ça y est, vous êtes prêts? Les petits lapins, Mademoiselle Miaou, allez chercher nos invités. Allez vite. Bonjour, Monsieur le Loup. Oh, quelle surprise, il va être heureux d'être le lapin. Mais tu es venu avec des amis? Quelle surprise! Comment il va être heureux, notre jeune lapin! Attention, mes amis! Le voilà qui arrive! Jeannot Lapin, ne te fais pas prier. Voyons, un discours. mes chers amis, je suis très ému. Merci pour cette fête. Merci pour tous vos cadeaux. Aujourd'hui, 9 mars, je souhaite un joyeux anniversaire à tous les enfants. Bravo. Mon cher Jeannot Lapin, d'abord, je te fais la bise. Oui, la bise des petits loups, c'est cela. Et à présent, retourne-toi. Oh, quelle surprise! Je te souhaite un joyeux anniversaire de la part de tous les enfants qui t'aiment. Je te remercie, Sarah. Merci. Et maintenant, je vais souffler les bougies.
Mesdames et messieurs, en l'honneur de Jeannot Lapin, Chantal Goya et les enfants vont vous chanter une chanson. On est des enfants de la balle. On habite dans une malle. Quand on nous casse, on nous recolle. Jamais vu la mer. Car dans les bateaux, les avions, nous voyageons dans des cartons. Quand on est une marionnette, marionnette, une petite marionnette à fil, la vie n'est pas toujours facile. Quand on est une marionnette, marionnette, une petite marionnette à fil, la vie ne tient qu'à un fil. On est tenu par des ficelles. On ne peut pas quitter la scène. C'est pourquoi de tout notre cœur, on danse pour les spectateurs. Et dans notre décor d'étoiles, trouve dans le grenier de Monsieur le Chêne un drôle de personnage. Écoutez. J'ai retrouvé chez mon grand-père dans une malle au fond du grenier cet uniforme que la guerre portait, les comiques troupiers. Sur le vieux phonot de mon grand-père, un 78 tout rusé, chantait cette chanson d'avant-guerre que je vais vous interpréter. Et vive les piou 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 piou, les touloulou, qui sont dans les glaces, tas, tas, la mi vidas, la mi vidas. Et vive les comiques, mic, mic, qui ont des tic, 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 qui cassent les pieds, 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 la jute dame du quartier. Soldat Boulard, vous me ferez 8 jours. Pourquoi donc mon adjudant? Et puis vous me barrez la cour. Et pour quel motif à présent? A pris son chef pour un dindon. Et l'autre soir soudain sortait de la caserne à reculons pour y faire croire qu'il y rentrait. Et vive les piou 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 piou, les doulourourourourourou, qui sont dans les glaces, 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 la mi-bidas, la mi-bidas. Et vive les comiques, mic, mic, qui ont des tic, 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 qui cassent les pieds, 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 la jute-dame du quartier. En souvenir de nos grands-pères, aujourd'hui il nous faut chanter cette chanson qu'avant la guerre chantaient les comiques troupiers. Si elle fait pleurer nos grands-mères en souvenir du temps passé où elles aimaient un militaire, reprenons comme au défilé. Vive les piou 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 piou, les touloulou, qui sont dans les glaces, 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 la mi-bidas, la mi-bidas. Et vive les comiques, mic, mic, qui ont des tic, 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 qui cassent les pieds, 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 la chute d'homme du quartier. Jeannot Lapin,
Nous allons partir de ce pont à Radio Ménat. Radio Ménat. Bonjour, monsieur Ménat. C'est l'anniversaire de Jeanne Lapin. J'ai mis ma belle robe rose, regardez. Radio Ménat, la radio qui décoiffe. Bonsoir, mon cher Jeanne Lapin. Bonsoir, ma chère Chantal. Eh bien, tout d'abord, mon cher Jeanne Lapin, Radio Ménat vous souhaite un joyeux anniversaire. Comment vous portez-vous? Bien, mais bien sûr, comment je me porte, mais sur mes jambes, je me sens avoir des ailes de libellule. Mais ce n'est pas une année de plus qu'il a, mais des ailes de libellule. Libellule. Vous avez dit des ailes de libellule, mais je n'ai jamais dit ça. Mes chers auditeurs, notre Jeanne Lapin, avec une année de plus, prend des oreilles en feuilles de chou. C'est pourquoi nous l'appellerons désormais notre Jeanne Lapin de chou. Oh, je suis comblé. Radio Ménat, cher monsieur Ménat, il faut que nous partions parce que il y a monsieur Sac à dos qui nous attend dans la forêt. Il a plein de cadeaux pour notre Jeanne Lapin. C'est son anniversaire, hein. Au revoir. Radio Ménat. Au revoir, monsieur Ménat. Dites-moi, les enfants, je trouve que vous êtes un petit peu, hein, le petit bidon, là, monsieur le loup. Et toi, ma petite chérie, et toi, mon Jeanne Lapin. Écoutez, je suggère une chose. Après toutes ces festivités, on va regarder une fois de plus notre téléchaîne pour regarder Annie faisant du sport. Oh!
après cette belle fête, je vais aller prendre un bain. Un bain? Mais il n'en est pas question, monsieur Chêne. D'abord, je vais vous dire quelque chose. Pour terminer cette fête, on ne peut pas se quitter sans chanter une chanson pour tous les papis et les mamies qui nous regardent. Oui, c'est vrai. On va tous chanter « Voulez-vous danser, grand-mère ?» Oui. Vous voulez bien? Monsieur Chêne. Mais oui, c'est ça. Exactement. Allez, musique. À quelle cérémonie pour grand-père et grand-maman, la famille est réunie pour leurs noces de diamants. Le champagne qui pétille fait pétiller tous les yeux quand une petite fille dit en riant au bon vieux. Qui chante, voir monsieur le lapin sauter les haies et les fossés. Bonjour madame la chouette, quel sera le temps de dimanche? Et vous monsieur le loup, venez avec nous pour chanter. Qu'il fait beau tout près de la mare enchantée. Et toi, maître corbeau, fais bien attention quand tu chantes, car ton fromage, le renard pourrait bien le voler. Coucou dans la forêt, y a un coucou qui chante. Pas méchante, mesdames les abeilles nous inviteront à goûter. Les sauterelles s'entraînent pour les championnats de France.
Avec son sac à dos, l'escargot est parti camper. Allô, bonsoir, elle pareil, un coucou et qui chante. Coucou, la fraise oreille, ce coucou fait chanter. Voyez, monsieur Chêne, ça vous fait du bien, hein? Tu vois, Benoît, il est content, hein? Oh, regarde, il rigole, il est chatouilleux, hein? Oh, oh, oh sacré monsieur Chêne. Oui. Je vais vous dire quelque chose, hein? Oui. Une bonne petite coupe de cheveux par Jean de Lapin, oui. Et ça y est, vous êtes le plus bel arbre de la forêt. Oh, merci, Chantal. Je sens que le printemps arrive. Je suis en pleine forme. As-tu remarqué que mes amis les fleurs m'ont rendu visite? Regarde, comme c'est beau! Oh! Et la marguerite? Ça sent le printemps. Oh, tiens, j'entends des gens. Tu entends des gens? Oui, mais qui attendons-nous? Pas, pourtant. Mais on dirait des sifflets d'agents de police. Oh mon Dieu, ça y est, c'est passé quelque chose avec les enfants, j'en suis sûre. Oh oui, ça y est. Voyons... Voyons, Chantal, ne sois pas mère poule. À propos, où sont-ils passés, ces charmants enfants? Monsieur Chêne, ils sont partis ce matin avec le docteur Siro faire la tournée des animaux malades. Ils ont même amené des bonbons, vous savez, ils étaient heureux. Ah, c'est oh. Bien. Les voilà. Mais non, ce ne sont pas eux, ce sont des agents. Messieurs, il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave, c'est pour le sujet des enfants. Mais enfin, Chantal, ne sois pas si pessimiste. Il ne peut rien arriver aux enfants dans le monde magique, voyons. Mademoiselle Chantal, monsieur le chêne, recevez nos respects du matin. Est-ce que nous pouvons vous parler en particulier? Oui, bien sûr. Bien sûr, messieurs. Ah, c'est très gentil, ça. Oh! Ne crois-tu pas qu'il est arrivé quelque chose à nos amis? Non, non, tu sais, je pense pas. Mais non, Benoît, mais non! Chantal, il y a 3 énergumènes qui se sont échappés du panier à salade. Méfiez-vous, ce sont des bandits de grand chemin. Eh oui, de grand chemin. Mon Dieu, mais dites-moi, messieurs les agents, vous ne partez pas, hein? J'aimerais bien que vous fassiez une ronde autour de la forêt. Bien sûr, et si jamais, évidemment. Et si jamais vous les trouviez, ramenez-les ici, s'il vous plaît. On va les ramener, on va les ramener. Éclame, mon petit Benoît. Allez, on obtempère. Je veux dire quelque chose. Tu vas courir au téléphone. Appelle monsieur Ménat et qu'il fasse des appels à la radio Ménat. Cours vite, il faut qu'il nous aide. Moi aussi, je vais alerter tout le monde avec mon cri qui m'a rendu si célèbre. Oh, Tarzan ! Mes enfants ! Oh là là, nous sommes cernés par les bandits. Ils sont dans la forêt. Vous vous rendez compte? Monsieur Chêne vous a appelé, c'est épouvantable, ils vont arriver. Oh, je les entends. Écoutez, oh, ils arrivent. Oh là 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 là, Jean de Lapin, Madame la Poule, aidez-nous. Faites quelque chose. Oh, oh, oh. Pas mes oreilles. Il paraîtrait qu'il est de passage dans notre quartier, toujours bien sage. Une bande de voyous qui volent, une bande de vauriens qui m'affolent. Si par malheur elle arrivait là, je ne saurais que faire, croyez-moi. Coquillard, Pigoulette et leur ami Filochard. Mais voilà que c'est pas à nouveau. Coquillard, Pigoulette
Regardez mes amis, la malle, elle a disparu et Benoît était dessus. Ils l'ont kidnappé. Au secours, au secours. Chantal, 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 il faut prévenir le quartier général. Le général quoi? Mais pas le général, le quartier général, voyons. Allez, scrogneux. Mon Dieu, pauvre Benoît, ils l'ont kidnappé. Mes amis. Non, non, ne pleurez pas, ne soyez pas tristes. Je vous en supplie, il faut avoir du courage maintenant. Vous savez, je suis en train de penser à quelqu'un. C'est un ami à moi, il est dans la forêt, il va nous aider. Il a une grande natte et un bâton. Et quand il vient, vous allez voir. Je sais un ami qui est vraiment gentil. Il est drôle et fou, mais quand j'ai des soucis, je vais le chercher, où il s'est caché. Je suis sûre que vous le connaissez. Il voyage beaucoup depuis très très longtemps. Il a fait rire nos mères et nos grands-parents. C'est un bon garçon, mais un polisson. Et quand il arrive, on crie son nom. C'est Guillaume, c'est Guillaume. Chercher partout, tu sais. Quelle chance de te retrouver. Mes amis, si jamais ils reviennent, vous restez tous immobiles. Quant à toi, Guignol, avec ton bâton magique... J'ai compris. Ils verront de quel bois je me chauffe. Attention, je les entends. Allez, par ici, le butin. C'est ça, allez, on vole tous les bonbons. Allez, dépêchons, dépêchons. C'est pour nous, par ici, la bonne soupe. Oulolo. Et oh, attention. Voilà pour toi. Et pour toi. Et pour toi aussi. Et bien, à présent,
toute la forêt sera au courant que nous avons capturé ces horribles bandits. Radio Ménate! Ici Radio Ménate, j'ai un scoop extraordinaire. La forêt a tremblé cette nuit. Trois bandits s'étaient échappés. Heureusement, ils ont été repris grâce au courage de Guignol et de tous ses amis. Chers auditeurs, nous allons voir très bientôt ces chenapans dans nos studios. Et oui, après de drôles de péripéties, nous avons pu les rattraper dans le monde magique en présence de Chantal et de Guignol. Mais nous avons une forte affaire. Les horribles bandits méritent un châtiment. Et toi, l'oiseau, tu vas la boucler, hein, ton bec de ménette. On t'en pose des questions, non, mais des fois. Allons, allons, un peu de tenue, messieurs. Et puis on te fait tous les trois un pied de nez nickelé. Eh oui. Mes chers auditeurs, ces voyous m'ont décontenancé. Ils sont très mal élevés. Messieurs les agents, il faut les punir. En prison. Cher monsieur Ménat, nous y allons de ce pas. Allez vite au panier à salade. La salade? Oh, c'est plutôt ce Ménat de malheur qui en fait des salades. Allez, salut la compagnie, bien le bonjour chez vous. Tiens, je vais lui piquer son micro, moi, je vais faire des affaires. Excusez ce chahut, mais il vole mon micro. Je suis bouleversé, je reprendrai l'antenne un peu plus tard. Monsieur Ménat, il n'a pas fini d'en voir avec les trois lascars, hein? Tiens, ici on regardait téléchaîne. Tu as envie? Vous avez envie? Hein? Oh oui, j'aimerais tellement revoir ma petite cousine de Chine. Oh, la petite poupée de Chine, vous aimeriez? Tenez, regardez téléchaîne, ma petite poupée de Chine. Toi aussi, sac à dos, reste avec nous. Voilà. Tu as découvert la vie au printemps à Paris. Choisis. À l'école de ton enfance, tu as découvert la France. Mais je sais qu'au fond de toi, tu as le cœur qui bat. En pensant à ton pays qui se trouve si loin, un souvenir attendri qui te fait du chagrin. Te rappelle que l'on t'aime, toi qui vois couler la Seine, si loin de Shanghai, Hong Kong et des rues de Pékin. Poupée de Chine, ma jolie petite. Terminé. À la semaine prochaine. Au revoir.